Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai choisi une nouvelle édition pour les petits lecteurs. Elle s'appelle Les Amis de Gilda. Elle contient des aventures des animaux. Et le titre d'aujourd'hui, Pas de banane pour une girafe. Suivez avec moi. Gilda la girafe adore ses drôles de tâches. Mais quand le vent du nord se met à souffler, toutes les tâches de Gilda s'envolent vers le ciel. Toutes les tâches de Gilda s'envolent vers le ciel. Pauvre petite girafe! Si seulement elle pouvait voler comme un papillon! Arachide l'araignée a une idée. Avec ses amis, elle tisse une magnifique toile pour Gilda. Le vent du sud souffle si fort que la toile se transforme en tapis volant. Oh oh! Gilda a foncé tout droit sur l'arbre des Ouistiti. Les petits singes décident d'aider la girafe. Ils soufflent et soufflent un énorme ballon. Et le vent d'est emporte la montgolfière de Gilda sur son dos. Oh non! Gilda est tombée dans l'étang d'Hippolyte l'hippopotame. Avec sa plus jolie boue, Hippolyte colle sur Gilda les plumes que lui donnent ses amis les oiseaux. En battant des pattes, Gilda s'envole. Portée par le souffle du vent d'ouest. Elle a beau regarder derrière chaque nuage, aucune trace de ses tâches.
Zut! Il fait trop noir pour continuer les recherches. Mais que voit Gilda dans le ciel? Une lune ronde et tachetée? Et le vent du sud, celui de l'est et celui de l'ouest soufflent si fort que Gilda et ses amis s'envolent jusque sur la lune. Youpi! C'est la fête des melons tourants! Espérons que le vent du nord préfère les bananes. C'est fini le petit livre d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!